pacha. Deixa a maré ligeira, angolera, deixa a maré vazar. Deixa a maré ligeira, deixa a maré pacha. Deixa a maré ligeira, angolera, deixa a maré vazar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. Eu jogo pra seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. Eu jogo pra seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. Eu jogo pra seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. É seu, é mar, é terra, angolera, olha o balanço do mar. Eu jogo. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle audio du mardi. C'est parti, nouvel horaire, moins de monde, on va voir comment ça se passe aujourd'hui, on va voir comment ça évolue, on va voir qui est là, on va voir comment ça se passe, et voilà, sujet libre. Du coup, on va parler un petit peu de tout, n'importe quoi, de capoeira, pourquoi pas d'autres choses, et avoir vraiment un moment où on va discuter, posément, tranquille. J'espère que vous allez bien de votre côté, j'espère que ça reprend doucement, pour ceux qui enseignent, ça reprend doucement là avec les enfants. J'espère que vous répondrez aussi tous présents à partir du 9, quand ça va reprendre pour les plus grands, parce que ça fait vraiment du bien. Alors, Porc Espin est ici, alors Fouroup, du coup, je me suis un peu parlé dans les commentaires pour voir ce que ça allait, si le chat était là. Bon, il y a un décalage, effectivement, encore. Mais du coup, tout va bien, sinon, est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois qu'il y a MyZing qui est ici, Alex est ici aussi, Dragon est ici, coucou, son ok, merci mon grand. Et voilà les loulous, aujourd'hui on va partager, donc il va falloir être un petit peu force de proposition. Et pourquoi pas m'appeler? Il n'y a pas un si gros décalage. Ok, cool, bon ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, ce que j'ai vu là tout à l'heure au début. Et voilà, on va parler, petite antenne libre. Pendant une petite heure, avec une petite intervention bien léchée de notre ami Capoeira Perro. Bien sûr, évidemment, le mec, il s'arrête pas de bosser et il s'arrête pas d'être bon. D'ailleurs, je sais pas s'il est là en train de nous regarder ou pas. Et du coup, voilà, écoutez, qui est là? Est-ce que vous pouvez le dire dans les commentaires? Et puis, déjà, si vous commencez à avoir un petit sujet de conversation, un truc que vous avez envie de parler... si vous avez envie d'appeler, dites-moi, si il est là, Malouk, il est là, mon gars, il est là. Il y a quelques petites punchlines que tu as mises dans ta vidéo, mais à mourir de rire. Et voilà, si vous avez des sujets, si vous avez envie d'appeler, dites j'ai envie d'appeler. Tout simplement, je ne vais pas mettre mon numéro là comme ça tout de suite. Mais je le mettrai tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont envie d'appeler pour pouvoir discuter en live, ça pourrait être sympa. Mes vidéos sur Instagram sont de qualité médiocre. Alors, c'est pour ça que tu les as mis en noir et blanc. Pourquoi elles sont médiocres? En termes de qualité ou tes mouvements, tu penses qu'ils sont médiocres? Il y a Chacha derrière qui dit les deux. Alors juste pour la série là tous les jours un peu, la qualité, j'en ai rien à cirer. Le but est juste de faire bouger les gens et de les faire s'autoriser. D'ailleurs, demain je change un petit peu le format, je le fais évoluer et je vais parler un petit peu parce que je pense qu'on passe, à côté et il y a beaucoup de choses qui ne, vu que c'est pas verbalisé. Si je dis pas combien de fois il faut faire tel mouvement ou comment il faut le faire et compagnie, tous les jours je vais faire une petite vidéo de présentation du mouvement très grossière juste pour donner quelques petits conseils, mais ce sera jamais vraiment des conseils techniques, d'accord, parce que les mouvements que j'essaie de faire passer sont des mouvements qu'on peut faire sans réellement d'échauffement, juste pour se faire plaisir et bouger quoi, tout simplement. Comme je dis souvent, c'est de l'hygiène, quoi.
On se brosse les dents tous les jours, il faut utiliser son corps tous les jours. Et la capoeira est une magnifique façon d'utiliser son corps tous les jours. Du coup, Dragan, tu m'as dit qualité vidéo et le mouvement peuvent être améliorés. Ouais, alors par rapport au mouvement, le but, c'est pas d'améliorer les mouvements. Si tu veux améliorer les mouvements, il y a une toute autre approche. Là, le but, c'est juste de travailler un petit peu tous les jours, de faire et de bouger, juste d'être dans une dynamique, quoi. Tous les jours un peu. That's it. Et 1% tous les jours, à la fin de l'année, ça fait pas 365%. Je crois que ça fait 3 800%. Donc, il faut pas sous-estimer le petit à petit. Et par rapport à la qualité vidéo, peut-être que si je peux t'aider, peut-être qu'au prochain, la prochaine fois qu'on se voit, bah tu me montres ton téléphone et on essaie de faire quelques petits trucs. Bastien est ici. Salut tout le monde. Je reste pas, désolé. Ok. Bah, bonne soirée. Merci d'être passé. Bah moi, je n'ai pas fait mon petit exo ce soir. C'est mal. Franchement, fais attention parce que tu peux être puni sur 17 générations. Moi, je dis juste ça comme ça. Faut pas rigoler avec ce hashtag-là. Parce qu'il va aller loin. Je le tiens pendant 14 ans. C'est faux. Parce que le bordel, il me demande plus d'une heure par jour. Et à un moment donné, ça va être difficile à tenir sur le long terme. Les vidéos sont top, mais presque un peu compliquées pour des novices. Ah, ok, super intéressant. Ouais, tout ce qui était descente en négative et tout, je me suis posé la question. Merci pour ton retour. Et je t'invite à m'en faire d'autres, et les loulous aussi. Vous qui faites de la capora, j'ai la bougeotte. Hein. Vous qui faites de la capora, n'hésitez pas à me partager ce genre de choses-là en commentaire directement ou en off, peu importe, je m'en fous, vous pouvez me dire les trucs sur les commentaires. Au contraire, ça va nous faire, ça va nous faire nous améliorer. Mais c'est intéressant, ok? C'est intéressant parce que souvent, je suis en train d'imaginer qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le décomposer et compagnie. Et c'est très difficile en moins d'une minute avec trois ou quatre petits mouvements de pouvoir proposer quelque chose de ludique et d'intéressant. Mais super, je retiens et du coup j'y mets une attention sur les prochains. Et pareil, si vous avez des exercices ou des petits mouvements que vous aimez bien, qui sont fun à faire et compagnie, faites-m'en part. As-tu fait des trucs? Attends. As-tu fait des trucs? Ça arrive que tu fasses du sport? Ah, ok. Ça, tu réponds à Alex. Donc, petite pique. Il paraît que je suis un peu molle. Ok. Bon, on va les laisser les deux. Ok. Nous, on va sortir. On va faire un autre petit live pour nous. Et le temps qu'ils résolvent un petit peu leur petite querelle. Les loulous, on parle de quoi ce soir? On fait quoi? On joue au pendu? Vous voulez que je vais acheter un paperboard et on va jouer au pendu avec des mots de Capora? Ça peut être cool. Ça va être long avec le décalage, évidemment. Mais du coup, on pourra passer une petite soirée comme ça. Comment vous. Est-ce que la reprise. Est-ce que vous appréhendez la reprise physiquement? Moi, je me rends compte que de reprendre un rythme un peu plus soutenu, bah, ça tire un peu. Ça tire un peu. Et d'ailleurs, la capoeira, c'est pas un sport, non? Ils sont toujours ensemble. Donc, pour la reprise, et comment vous sentez la reprise? Parce que moi, du coup, physiquement, une fois par semaine, bah, j'avais le temps de récupérer, quoi. Pendu, très bien. Ok, mais franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus fun qu'il y a à faire au monde. Mais pourquoi pas? Je n'apprécie pas la reprise. Je n'appréhende pas. C'est la fin de journée. Ok. Je n'appréhende pas la reprise. Dac. Jusqu'ici, les mouvements ont eu. Mince. Jusqu'ici, les mouvements, on les a vus en cours, donc pas de réels soucis. Ok. Toi, tu parles de la série. Tous les jours un peu. Ok. Perso, je suis chaud patate pour la reprise. Cool. Et du coup, pour Kispin, tu as eu beaucoup de petits qu'on peut reprendre? Parce que moi, ils arrivent tranquillou. Hein.
Ça se presse pas. Ça va piquer la reprise. Le mec, il appréhende lui, par contre. En même temps, je n'ai pas trop arrêté, même si quelqu'un que je ne nommerai pas en doute. Et franchement, faites un salon pour vous deux. Ouais. Mais moi, je sais que le rythme a complètement changé pour moi. Parce que je suis passé, j'avais à peu près 25 heures. En gros, j'avais 25 heures de cours par semaine. Et mais même avec les Zooms et compagnie, c'est plus le même rythme. Donc je pense qu'il va falloir se remettre un petit peu à reprendre le truc. Oui, tous, ils sont boostés à bloc. Ok, cool. Ça, c'est bien ça. Écoutez les loulous, je vois qu'on est 9, donc c'est pas beaucoup, mais j'aimerais bien savoir qui y a, qui a pas fait de coucou encore. Si tu peux dire qui tu es, passer un petit coucou, mettre un petit hello, ou un petit. Non, un petit hello, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 4 partages, c'est cool les loulous. Oula, qui a fait une. Alors, Chacha, elle écrit pas beaucoup, mais quand elle écrit, le temps qui était. Ah ouais, non, mais c'est que. Elle écrit pas beaucoup parce qu'elle est en train de chercher ses mots, parce que là, quand même. Le temps était consacré. Ah ouais! À la capora a été remplacée par tellement d'autres choses que je ne sais pas comment je vais gérer tout à la fois. Bah, démissionne. ça, plus la forme physique qui est restée confinée, elle. J'ai trop envie, mais j'appréhende. Mais j'appréhende. D'accord. Ouais, mais je pense qu'il y en a. Il y en a beaucoup, on est tous un petit peu là-dedans. Moi, j'ai pas mal grossi. Et j'ai tellement aucune volonté pour essayer de maigrir. J'essaie de mettre des petites astuces un peu. Mais je mange des barres feed. Je ne sais pas si vous connaissez. 3 fois par semaine, je remplace les. Mais par exemple, le mardi, c'est très bien. Parce que du coup, je peux le bouffer dans la voiture et j'arrive ici, je me douche et je suis prêt pour vous. Mais du coup. J'ai pris du poids avec ces barres-là de merde qui sont censées me faire perdre du poids. Ah, nique sa mère. Donc du coup, je sais pas comment je vais réussir à gérer ça. Alors, je reprends vos messages. Fourupa, est-ce que tu as retrouvé beaucoup de jeunes? Pour Crispy, même question. Non, moi non. Moi, on n'est pas beaucoup parce que vraiment, les cours enfants, j'ai plus aucune notion de. Je crois que j'ai repris il y a 2 semaines les premiers cours enfants et on n'est jamais plus de 5-6, sauf un cours avec un centre et là ils sont beaucoup plus nombreux, mais non, pas beaucoup. Et avec les ados, on n'a pas beaucoup d'ados déjà à la base et ils sont dispatchés dans les villes donc on n'en a pas beaucoup à chaque fois. On n'a pas beaucoup à chaque fois. En gros, ça tourne, je fais des cours à 3 à 4 personnes, 4 personnes. Donc c'est pas beaucoup. Mais les enfants, j'ai il y a beaucoup d'enfants qu'on décroché, il y a beaucoup d'enfants que j'ai pas réussi à capter, à animer, à leur proposer des bonnes choses qui leur plaisaient. Et du coup, ils sont un peu partis. Et je sais pas, je suis un peu perdu. C'est une vraie question en fait, je suis vraiment complètement perdu par rapport à cette situation-là. Autant les adultes, aucun souci, on est toujours présent, bien présent. Autant les enfants, pour moi, c'est un sujet un peu plus. Enfin, c'est un peu plus sensible. J'ai une question pour quelqu'un au hasard. Pourquoi quand on est nul en badminton, on est forcément nul en capoeira? Le bâtard. Mais vraie question. La question est posée. Maintenant, on voit. Hashtag bidou de papa. Ouais, mais là, bidou, c'est mignon. Bidou, tu vois, c'est le stade mignon. C'est le stade confinement 1. Mais il y a eu confinement 2, il y a eu confinement 3. Donc là, on n'est plus sur bidou, mais plus bidon. Tu vois. À une lettre près, mais t'as pas le même truc. Juste essayer de deviner mon poids. Bon, il y en a qui le savent. Ceux qui le savent, je pense à Dragon, je pense aussi à Chacha. Mais les autres, devinez mon poids. Alors.
Quand même, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas génial, mais c'est pas dégueulasse. Attendez. Ça, c'est quand on fait un peu d'hypopression. Mais allez-y. On va partir sur des quiz. Wouhou! Devinez mon poids. Et vous le gagnerez en barre feed, parce que j'en ai beaucoup du coup à repasser. La reprise va être dure pour mes petits os. Oui. Ok. Non, mais t'es une guerrière, Maisie. J'étais en train de dire oui, peut-être qu'il faudrait reprendre doucement. Mais la meuf, elle va courir tous les 4 matins 10 km dans son petit parc à côté. Et ça va être dur à mon cul, oui. Tout ça pour qu'on te plaigne. Oh, c'est petit. J'ai galéré à l'écrire, t'as galéré à lire. Ouais, mais moi, je galère à lire. Je suis dyslexique. Donc, c'est difficile pour moi de blablabla. Je fourche beaucoup. Quand je parle, je fais plein d'erreurs. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas le droit de communiquer et de parler. Et voilà. Et je pense que c'est un bon message à passer à la jeunesse. Non, les difficultés à lire, j'en ai beaucoup. Ça remonte à l'école. Grosse phobie de parler devant tout le monde. Je suis un ancien timide. Donc, j'ai beaucoup de reste. Et ouais, je bafouille beaucoup et le fait de lire devant des gens, c'est quelque chose de très anxiogène pour moi. Moi aussi, j'ai trop grossi. Je pense qu'on est tous un petit peu dans le même truc. Je t'éclate au bad. Ok, les menaces commencent à arriver. Je pense que beaucoup de parents ont déclaré une année blanche. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que je tire pas forcément de conclusion. En me disant, ils sont tous partis, ils reviendront jamais. Pour le moment, ils ne sont pas encore là. En sachant que je sais que je n'ai pas réussi à proposer quelque chose, une alternative différente. J'ai proposé les cours Zoom, j'ai proposé des ateliers, j'ai proposé des trucs comme ça. Mais ce n'est pas des trucs qui ont fonctionné, qui étaient pertinents pour les familles qui font la capoeira. Donc peut-être ouais c'est juste une année blanche ou peut-être qu'ils vont revenir doucement ou peut-être que j'ai aucun avantage à essayer de me faire des films là-dessus. Couvade de papa, ouais mais là elle dure longtemps la couvade. Comme je t'ai dit plus haut, j'ai retrouvé tous les enfants. Alors, et lui il se la pète l'ananas. Tu devrais jouer au badminton, allez on passe ces messages-là. Un indice, il y a 3 chiffres. Ok, d'accord. Elle se permet de dire ça parce qu'elle aussi, elle a atteint les 3 chiffres. Après la virgule. Alors, je suis super, super vexé parce que je pensais que vous allez me. Parce que limite, j'ai rentré mon ventre tout à l'heure. Je pensais que vous alliez donner beaucoup plus léger que je n'étais. Et non, les premiers 87, 90, allez tous vous faire mettre. Merde. Ben c'est ça, je suis autour des 90 kilos. Ah voilà, Malouk, c'est quelqu'un de bien. J'aurais dit autour des 75-80. C'est bien. Cavale, mais Cavale, toi t'ouvres ta gueule juste pour dire des conneries. 110 kilos, c'est toi qui fais 110 kilos. Putain, le mec, il intervient une fois, c'est pour tailler, quoi. Hey, reprends ta Renault et va faire le tour du périph, Caval. quand tu parles, tu fais des fautes d'orthographe. je dirais plutôt qu'il invente des mots. Voilà. Merci, Alex. Merci. Toi, tu me comprends. Vous avez tous grossi. Moi, j'ai fait le contraire. Ouais, mais toi, tu partais de plus loin que nous aussi. Ça a rigolé derrière. Je dis pas, mais là-bas, ça a rigolé. J'en connais beaucoup qui ont pas réinscrit leur enfant cette année. Ouais, ça déjà en début d'année, moi j'ai quasi eu aucun nouveau en élève. J'ai que eu des réinscriptions. Dans tous les sports confondus. Ouais, j'avais discuté avec les profs de judo que je croise souvent les mardis et eux, ils ont souffert beaucoup plus que nous. Pour les profs qui réfléchissent à imposer à ses élèves adultes
ou à défaut encouragé fortement, d'être vacciné pour participer au cours l'an prochain? Personnellement, non. Non, perso, je ne fais pas et je ne rentrerai pas dans ce truc-là. Je pense que je resterai en dehors de ça. Et après, les autres répondaient. Malouk est un gros faillot, je suis sûr qu'il joue au pandé et qu'il a un petit carnet. Ça va trop vite. Quand est-ce que tu refais la vidéo de self-défense capoeira trop efficace? Mais je suis dégoûté parce qu'elle a pas marché de ouf. J'ai fait une vidéo de merde sur TikTok. Et je l'ai mis aussi sur Insta. Sur Insta, elle a fait même mieux que l'autre. Mais sur TikTok, elle est partie. Elle a fait plus de 20 000 vues, 22 000 vues. En tout, en cumul, l'humanité a passé 45 heures dessus. Allez voir sur TikTok, sur mon TikTok. Vous allez voir dessus. Ouais. Elle était marrante. Elle était marrante à faire aussi. Je m'en suis pris une bien dans la gueule. C'était cool. Ok les loulous. On va passer tout de suite. Ah, j'aurais pu mettre ce truc-là pour la rediff que vous voyez le chat. Il faut me le dire au lieu de voir ma tête en gros plan. Je sais que ça vous fait plaisir, mais au moins qu'il y ait le chat. Et du coup, le chat, il n'y est même pas. Ah si. Voilà. Ça apparaît. Capora Perro, c'est à toi. Eh oh! La vidéo est commencée! Quoi? C'est commencé? Oh, j'ai pas trop envie de travailler cette semaine. Allez, à la semaine prochaine. Allez, tu vas bien leur sortir un truc, tu vas pas les laisser comme ça! Non, non, n'insiste pas, j'ai pas envie de bosser. Mais t'as qu'à sortir un sujet magique et qu'ils te demandent pas de travail! Eh, c'est une bonne idée, ça. Salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, cette semaine, pourquoi pas se mater tous ensemble une vidéo sur la capoeira totalement what the fuck. Ça casse les loulous. Pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. C'est parti! E aí, aqui é Pablo Pajé, né? Na capoeira de caboclo. Aqui eu tenho um grupo na Fazenda Quixaba, capoeira de caboclo. Sou, né, mestre espírita da capoeira de caboclo. E hoje vamos fazer um pouco da demonstração do que é a capoeira de caboclo, que é aqui na mata. Porque um capoeirista de verdade, gente, não precisa de tatamezinho, não precisa estar varrendo o chão. Quando for jogar capoeira, será possível que vai ter que ligar para a prefeitura? Ei, mande cá uma patroa para planar o chão aqui que tá meio ruim, tá meio sujo. Então não. Vamos lá. Mostrar a verdadeira força bruta. Vamos treinar nas árvores mesmo, né? Para mostrar toda a explosão. Então vamos lá. Salve, capoeira de caboclo!
Et voilà, j'espère que vous avez bien rigolé. On se donne rendez-vous très très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants et que certains le restent un peu plus longtemps. Ciao ciao les loulous! Comment ça, c'est tout? Ben oui, hein, la vidéo parle d'elle-même, elle est assez rigolote comme ça, hein. Pas besoin d'en rajouter. Oui, mais fais un peu ton travail quand même! Bon, vous voulez vraiment qu'on la regarde ensemble? E aí, aqui é Pablo Pajé. Quando for jogar capoeira, será possível que vai ter que ligar pra prefeitura? Ei, mande cá uma patroa pra planar o chão aqui que tá meio ruim, tá meio sujo, então não. Vamos lá, mostrar a verdadeira força bruta, vamos treinar nas árvores mesmo, né? Bon, on commence déjà avec le mec qui est en train de parler, tu vois. Et on imagine de suite, tu vois, tous ses copains, toute son école de capoeira et même son maître en train de faire. Mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête! Viens boire un coup, t'es pas bien, allez, oh! Après, moi, je reviens pas sur le fait que c'est toujours bien de valoriser son école, son groupe, son académie et voir son maître. Mais il faut que la vidéo qu'on présente ne fasse pas l'effet inverse. Après, moi, je dis ça sans aucune ironie, mais j'aime bien le petit foulard sur le côté à la place d'une corde. C'est original, ça change un peu et pourquoi pas. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Yeah. Où est-ce que ça va nous mener toute cette histoire? Et là, le gars, il part dans sa démonstration. Bon, voilà, le mec, il est super content. Il a cassé un arbre. Eh, ça vous fait penser à quoi, ça? Vainqueur, le palmier. Enfin, moi, je pense que la vidéo, il aurait dû l'arrêter là. Ça y est, il a cassé son arbre. Son parafuse, il est pas si moche que ça. Et d'un pet, il tranche l'arbre, d'accord? Bon, ça y est, c'est bon. Il a démontré sa force brutale. Mais en fait, non, il va se passer l'effet inverse. Le fait d'avoir cassé cet arbre, ça va lui avoir donné de la confiance pour faire d'autres démonstrations de force. Bon, on a compris, le mec il aime pas les arbres, je sais pas, il doit être allergique, il doit avoir le rhume des foins comme moi, mais en tout cas, les arbres, il va falloir tous les éliminer. Donc là, on a un magnifique combo, prise de catch pour abattre l'arbre, plus une petite roue pour montrer qu'on fait quand même un petit peu de capoeira. Nous sommes des Spartiates! On enchaîne avec des petits coups de pied au cas où l'arbre serait encore vivant et qu'il bougerait encore. Meurs, pourriture communiste. Puis, bien entendu, tout le monde connaît le mouvement de capoeira de l'arrachage. C'est très connu, ça. Et ça, ça va lui redonner de la confiance. Tu vois, au lieu de s'arrêter là, ça y est, il a abattu l'arbre, il a abattu les deux arbres, c'est bon. Ça y est, il a montré qu'il était costaud. Non, 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 ça va lui redonner de la confiance. Et on va partir de plus en plus dans le délire. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué à la fin, il se fait mal. Et donc, il va boiter un petit peu. C'est un petit peu subtil, je vous le remets. Vous avez vu, hein, il marche comme s'il se dégourdissait, mais il s'est fait mal. Il s'est fait mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et là, on arrive à mon moment préféré. Pardon, je couperai pas ce fou rire au montage. Mais le mec, il plonge, il plonge dans le buisson. Ça me tue. Yahoo! Ouh, pardon. Donc là, on a vu qu'il plonge. Et là aussi, regardez bien, on remarque également qu'il a un petit peu mal à la jambe gauche. Hein. Vous voyez qu'il se dégourdit un petit peu, mais il s'est fait encore plus mal. J'ai mal.
J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais le mec est quand même lucide. Il sait qu'il s'est un petit peu éloigné de la capoeira en faisant son plongeon. Voilà. Donc il va vouloir montrer toutes ses compétences techniques par une petite démonstration de jeu solo. Et donc on a droit à une roue à une main et à un petit mouvement de hip-hop pour se relever. Et le mec, il doit se fracasser le dos parce que le sol de la forêt au Brésil, à mon avis, c'est pas un matelas. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Voilà, on termine déjà cette séquence avec le magnifique balançage à une branche qui est bien entendu un mouvement très connu encore de la capoeira. Non mais sérieusement, si on regarde ça avec un petit peu de recul, quelle est la publicité qu'on peut faire pour la capoeira quand on est en train de filmer la séquence d'un mec qui se balance à une branche d'arbre. À la dernière petite roue pour finir et la pause finale. C'est en direct, Dieu du stade. Sauf capoeira de caboclo. Salve à toi, grand guerrier, et merci pour la démonstration. Et voilà pour cette fois-ci. Bon, j'espère que ceux qui ont découvert la vidéo se sont bien marrés. Ceux qui la connaissaient déjà se sont marrés aussi à la regarder. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine séquence. Oui, il faudra que tu bosses un peu plus, hein, parce que des vidéos what the fuck sur la capoeira, y en a pas des milliers. T'es bien sûr de toi, là? Ah, caralho, Mickey. Le teaser de malade à la fin. Bon, vous voyez Chacha. Chacha, elle a pas compris le principe du live. Franchement, j'ai limite voulu arrêter ta vidéo plus tôt, Malouk. Parce que Chacha à côté, ça valait le coup. Mais franchement, le fou rire que t'as, tu t'es éclaté. Il t'est éclaté. 10 minutes de fou rire. Ah putain, c'est bon. Et ouais, mais des vidéos comme ça, mais il y en a. Oh, j'en avais partagé deux. Le mec là avec son faquin, avec sa machette. Mais ouais. Je sais pas si c'est de l'humour, s'il est passé. Ce qui lui est passé par la tête. Aucune idée. Franchement, s'il y en a qui ont des infos, je suis preneur. Je rigole encore quand il plonge, mais même quand il se balance, quand il se balance, quoi. Et, d'accord, t'as cassé un arbre, mais maintenant tu te balances à un arbre. Bref, les loulous, je vous ai fait un petit sondage. Je sais pas si vous le voyez. Oui, tes vidéos sont en réserve. Bon, ça. J'ai fait un petit sondage. Alors, je ne sais pas du tout comment ça apparaît, parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ah, cool. Il y a 4 personnes qui ont participé. Super cool. Je vous propose les ADM, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup en fait sur les ADM, et que je vais développer le format group off, j'ai peur des fois que ça fasse un peu doublon. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer de se le faire en visio, une partie filmée, une partie non filmée. Donc ça à voir. Donc si vous pouvez répondre au truc que j'ai vos ressentis, ça pourrait être cool. Si vous ne le voyez pas du tout, dites-le moi en commentaire, ou ceux qui ont répondu, dites comment vous avez eu accès au... Je n'ai pas eu le temps de cliquer sur le sondage. Ah, parce que ça a disparu. Moi, il est en actif toujours. Alors, je vais essayer de faire un petit truc. Alors, apparemment, il y a un bouton juste à côté du smiley en bas. Alors, Dixit Chacha. Ensuite, Chacha et la technologie, honnêtement. Alors, elle me montre. Ce bouton violet là. Ah, alors. T'as un petit bouton. Oula! La caméra, elle a bugué. Oula, ça a bugué. Oula, la GoPro, elle a chauffé, elle a bugué.
Elle est en train de splitter. Qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez normalement? Si vous me voyez normalement, c'est cool. Alors, je vais prendre mon téléphone ici, voir comment c'est. Moi, je ne l'ai pas, tu vois, par exemple, sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Ceux qui peuvent répondre au... c'est perturbant, ma GoPro qui vient de... qui est en train de lâcher. Pas super cool. Bon, les loulous, alors, sur le sondage, je pense qu'il part... Mince. Je reviens un petit peu en arrière. C'est de la belle capoeira. Porkyspin nous dit, je pense à part de l'air, il n'y a rien du passé d'autre dans sa tête. D'accord. Ouais, j'ai du mal à dire, comme a souligné Chacha. Maintenant, vous allez voir ça tout le temps. Du coup, c'est... le sondage est une très bonne... C'est une très bonne question. J'ai vraiment hésité. Et du coup, tu as répondu quoi? Parce que je vois pas qui a répondu quoi. Je vois juste le truc. Je n'ai pas eu le temps de cliquer sur le sondage. Quelques branches d'arbres, je pense. Oui. Deux fourroupes. Tu me vois toi aussi en double? Non. Toi, tu me vois en double, Chacha? Oui, c'est le numéro 2 sur Zoom, je pense. Ah, le numéro 2 sur Zoom. Parce que, viens, regarde, viens voir. Non, mais je vois. C'est en dédoublé ici aussi? Oui, regarde. Ah ouais, ok. Je vais essayer de faire un truc, les loulous. Je vais vous perdre de vue pendant 2 secondes. Moi, je trouvais qu'un fourreau pas, c'était assez. Hein. Alors, maintenant, normalement, vous devez toujours m'entendre. La voix est là, le micro est bon. Par contre, l'image, elle est partie à des années-lumière. Et là, je ne sais pas comment faire pour la rattraper. Alors, accordez-moi juste 2 petites secondes. Ça se trouve, j'ai fermé le live comme j'avais fait l'autre fois. Mais on va réussir à faire quelque chose de potable. Alors, je vais redécaler ça. Elle est juste bouillante. Alors, je vais essayer de l'éteindre et je vais essayer de la rallumer. Alors, bien sûr, elle ne s'éteint plus. Je crois qu'elle a buggé, tout simplement. Je crois qu'en fait, on va terminer le live sans ma tête, sans ma petite tête. Et voilà. Bon, du coup, les loulous, sur Zoom, ça a l'air de plus vous plaire. Et comme ça, au moins, on pourra se voir, on pourra discuter. Sur Zoom, où il y a possibilité de créer des salons. Alors ça, j'ai jamais fait sur Facebook, créer des salons. Donc, je ne sais pas comment ça marche, ni s'il y en a qui ont déjà tenté l'expérience. Est-ce que les salons sur Zoom, c'est un peu comme... les salons, pardon, sur Facebook, est-ce que c'est un peu comme les conférences sur Zoom? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait participer? Me dire tout ça, quoi. Alors, sinon, joue à Secret Story. Ici, la voix. Ouais, non, j'ai une voix pourrie, j'ai une voix dégueulasse, en plus. Elle n'est pas du tout en place ce soir, donc... non. Eh bien, écoute, je crois que ma GoPro, elle a lâché. Elle a planté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer de fermer tout ça. Et puis, proposez-moi des idées de sujets pendant que j'essaie de résoudre ça. Et voilà, je vais arrêter de parler. Non, je ne vais pas arrêter de parler. Tu vois, c'est là où j'aurais dû faire la pause break en mettant la séquence de Capoeira Apéro. Alors, j'ai cliqué 3 fois sur Zoom. Du coup, j'ai eu une chanson. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Heureusement que Chacha est là pour me traduire les trucs. Ouais. Alors, ok, on va peut-être retrouver, quelque chose ici. Eh ben non, ça marche toujours pas. Toujours pas. Pourquoi ça marche pas? Pourtant ici c'est ok. Me dis pas qu'il faut que je recommence tout, que je retermine et que je. Eh ben non. Je crois que vous n'allez pas voir ma petite tête jusqu'à la fin. Là, je suis en train de bouger. Merci, Chacha, t'as la ref. Ouais. Un Mac, une GoPro, ça va coûter cher, cette histoire. Ouais, mais le Mac, il est revenu. J'ai pas eu de soucis depuis. Par contre, là, la GoPro, c'est chelou ce qu'elle est en train de me faire. Mais là, elle s'est reconnectée. Donc, du coup,
c'est bien, mais par contre, j'arrive pas à la remettre dans sur OBS. C'est pour ça, si on passe sur Zoom, les loulous, ça va être beaucoup plus simple à gérer pour moi. Mais beaucoup plus simple à gérer pour moi. Alors, je vais faire valeur par défaut. Je vais, il reconnaît même pas la GoPro ici. Je crois que les loulous, vous n'allez pas revoir ma... Alors, il y a Chacha qui joue à la baballe. Donc, si vous entendez une baballe tomber à côté, c'est Chacha, tout simplement. C'est dommage que je puisse pas prendre la GoPro et vous montrer ce qui est en train de se passer à côté. Parce que franchement, ça vaut le coup. Les loulous, du coup, si vous dites rien dans le chat et que en plus vous ne me voyez pas, sinon on va sur Zoom direct. Sinon on peut aller sur Zoom direct, hein, on peut faire ça. Comme ça, ça sera pas mal aussi. Ceux qui verront ça en rediff se diront mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Et ouais, on galère un petit peu des fois, mais ça se passe comme ça. Le but c'est de passer un bon moment ensemble, le but c'est de se connecter, c'est de discuter. Alors, Zoom, si plus simple pour toi. Non, mais c'est pas le plus simple pour moi. Là, c'est ce qui parle à le plus de personnes. Donc, pour le moment, il y a 6 personnes qui ont répondu. 4 pour Zoom et 2 en live. Cool. Ceux qui ont choisi le live, qu'est-ce que vous aimez dans le live, en fait? Qu'est-ce que vous aimez dans cette formule-là? Ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans Zoom? C'est montrer votre tête, c'est quoi? De toute façon, on n'est que 6. Du coup, là, il n'y a vraiment pas à cette heure-ci. Je me demande vraiment sur l'intérêt et l'utilité de continuer des audios comme ça. Le live a l'avantage du replay pour les absents. Ouais, mais le Zoom, je peux l'enregistrer. Le Zoom a l'avantage du fait qu'en décalant le live à 22h, voire 23h, mince. Du coup, vous avez commenté, ça fait remonter le truc. Le Zoom allait arriver trop tard. Ouais, parce que le zoom, franchement, à chaque fois, les afters qu'on faisait, c'est super fun, quoi. Moi, je vous laisse. Alors, je vais coucher les garçons. D'accord, mais des gros bisous à vous tous, alors, Dragon. Le live, c'est clairement le replay. Ok, ouais. Mais ça, il y en a qui arrivent à basculer le Zoom en replay. Enfin, le Zoom en live Facebook. Et du coup, ce serait même le mieux, quoi. Là, c'est quand même... C'est bien quand on est vraiment nombreux. Ouais. Sinon, je préfère Zoom. Ok, les loulous. Je vais ouvrir Zoom. On va faire comme ça. Et on va basculer sur l'after assez rapidement. Comme ça, on va pouvoir voir nos petites têtes les uns les autres. Bien sûr, hein, tu peux laisser ta caméra éteinte, pas de souci. Hop, j'ai balancé l'invite. Et confirmez-moi que vous avez tous vu le message pour l'invitation du groupe. Et comme ça, on va aller se rejoindre juste après. Et en plus, je viens de me rendre compte d'un truc. L'enregistrement n'a pas fonctionné. C'est super cool. C'est-à-dire que sur OBS... j'ai toujours démarré l'enregistrement, c'est-à-dire que ça n'a rien enregistré du tout. Donc il va falloir que je fasse je ne sais pas quelle manip pour essayer de récupérer le live sur Facebook. Et je vais tenter l'aventure comme ça. Bon, on va arrêter ici et on se rejoint tous sur live, sur Zoom. On va y arriver. Confirmez-moi que vous avez bien reçu, que vous avez bien vu le message l'invite, que vous avez bien les coordonnées GPS de la réunion live, de la réunion Zoom, et je vais y arriver. Et vas-y, allez. Personne répond, tout est cassé, tout est ok. Le live et émission, c'est peut-être plus sympa à regarder. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'arrive pas à toucher d'audience, donc on en parle dans le live. On en parle dans le Zoom, là, tout de suite. Allez, les loulous, j'arrête le live maintenant et on se rejoint dans moins d'une minute sur Zoom. Bisous.